Pensar.
wampai nani ya bull? Nani ya bull kaya ya wampai nani ya bull? Nani ya bull kaya ya wampai nani ya bull? Nani ya bull kaya ya wampai nani ya bull? Pichibulu kai kaya ya wampai pichibulu kai. 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 Kai kaya. Kaga moa. Il y a la finale qui joue entre Bandalé et Yolo. Concernant l'organisation, nous avons parfaitement réussi parce qu'on ne s'entendait même pas à avoir des gens. Aujourd'hui, on en a. C'est une très très bonne chose. Ouais. Nous demandons tout simplement à ceux qui ne sont pas là, prochainement, quand nous avons des autres, ces gens d'organisation qui viennent nous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens comme le président Jean-Luc, hein, le président de Bandal, comme des Rachidi Koufa. Ce sont des gens qui sont là, qui sont en train, de temps en temps, ils sont en train de nous aider. Et nous appelons, vous êtes très très nombreux, vous, si vous êtes en train de nous voir, venez, venez, venez nous soutenir. Concernant l'organisation, ça s'est parfaitement déroulé. Nous sommes en train de voir, de projeter un championnat pour la saison que nous sommes en train de parcourir. La grande joie pour avoir choisi ce gars et d'ailleurs à recevoir une table nous voyons, avec beaucoup d'admiration comment évolue la discipline, la bandale par rapport à d'autres. Nous voyons que dans le temps, la discipline reprendra son niveau qu'on avait connu, parce qu'actuellement on a connu une baisse qui a été causée, soit par le départ de certains assistants, soit par celle de d'autres athlètes. Alors, pour ce tournoi, que bénéficie la commune de Bandal pour ce tournoi qui s'est organisé à Bandal? En étant responsable... Non mais la commune de Bandal bénéficie tout d'abord de la confiance qui lui a été faite par les organisateurs. C'est la première chose. La deuxième, c'est la vulgarisation de la discipline à travers la jeunesse qui, en voyant ce qui se passe, militait pour élever de la discipline. On a fait la voie à mi-coyer, tu m'as 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 fait la voie à mi-coyer, tu m
de pouvoir mettre en place aussi le premier championnat avec 6 ou 8 équipes. On a des bons espoirs avec certains sponsors. Maintenant on attend la confirmation du ministère des Sports désignant les responsables de la Fédération Congolaise de Rugby. Les nouveaux responsables de la Fédération Congolaise de Rugby. Bon, quand on va, je vais passer à oh, le capitaine de l'équipe. Seulement, nous demandons la Ligue de pouvoir organiser des séances publiques parce que nous sommes certains qui connaissent un peu les règles. Nous pouvons aider le jeune à faire le rêve, de sorte qu'il puisse faire un beau jeu. C'est un jeu viril, mais pas un jeu de méchant, un jeu de combat inutile. Nyakomba kote lebo, nyakomba kote lebo.